Du buffet, l'art brut, l'arte degli outsiders. L'intérêt du buffet pour l'art des outsiders, c'est un intérêt qui était très novateur à l'époque, dans les années 1940-1950, parce qu'il s'agissait de redéfinir l'art dans son entier. Un art, généralement, c'est un artiste, mais alors un art qui est fait par des personnes qui ne sont pas artistes, c'est quelque chose qui le fascinait, et il était persuadé que c'était ces personnes qui faisaient l'art véritable, l'art brut, un art qui soit mis en dehors de la culture, qui n'ait pas de référence artistique, qui procède des tripes de celui qui les fait. Précisément, il s'est lancé en parallèle de son travail d'artiste dans une production extrêmement importante et aussi dans une défense de ses artistes, c'est-à-dire qu'il les collectionnait et il diffusait leurs œuvres par le biais d'expositions et par le biais de publications. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer ici, avec une diversité de formes, avec des personnalités extrêmement fortes aussi qui se donnent à voir au sein de l'exposition.